pensée de Pascal. Lorsque notre entreprise s'appelait Sephora la musique de la vie, nous commercialisions essentiellement des CD et des DVD. Il arrivait pourtant de temps en temps que des personnes nous appellent pour nous commander des parfums. Un jour, un monsieur s'est même présenté à nos bureaux avec sa carte de fidélité des parfumeries Sephora pour demander son cadeau. Et naturellement, nous étions incapables de pouvoir satisfaire leurs demandes, si ce n'est de les orienter vers la célèbre enseigne de parfumerie. Une statistique intéressante nous est rapportée par les pasteurs ou les personnes amenées à pratiquer la délivrance, c'est-à-dire le fait de prier pour lier ou chasser des démons. Environ 7 fois sur 10, les personnes qui demandent une délivrance n'ont en réalité pas besoin de délivrance. Elles viennent pour des raisons sérieuses, oui, elles viennent pour une souffrance dont elles aimeraient se débarrasser, c'est un fait, mais le mal dont elles souffrent n'est pas lié à une présence démoniaque. Elles demandent du parfum là où on ne peut leur donner que de la musique. Au palmarès des situations concernées, nous avons les problèmes de santé, et en particulier les maladies incurables, les raisons affectives, les problèmes de couple sont parfois un peu vite assimilés à une présence spirituelle indésirable, alors qu'il peut s'agir de difficultés de communication ou de blessures non guéries. Les conflits dans la famille, comme par exemple un enfant qui prend une mauvaise direction ou qui tombe dans certains péchés, les problèmes financiers, les personnes qui ont déjà vécu une libération dans le passé et qui pensent être confrontées aux mêmes causes alors que ce n'est pas le cas, ou encore un diagnostic à l'emporte-pièce fait par une personne qui, sans rien avoir analysé, va désigner un peu facilement le démon comme le coupable idéal. Pour autant, même si la personne n'est pas en présence d'une oppression spirituelle, elle n'en est pas moins en souffrance, et elle a besoin d'une oreille attentive, d'un accompagnement adapté et d'un soutien dans la prière. Alors comment discerner ce qui concerne un problème d'ordre spirituel ? Comment orienter ou accompagner lorsqu'il s'agit d'autre chose ? A contrario, comment se comporter lorsque nous sommes effectivement en présence d'une personne démonisée ? C'est ce que nous traitons sur le blog La Pensée de Pascal jusqu'à ce soir, minuit. C'était La Pensée de Pascal avec Pascal Pourtocalian, à retrouver sur lapensedepascal.com.